Bonjour à tous, alors je crois que j'ai fail, mais alors complet fail avec l'enregistrement. Je ne sais même pas comment j'ai fait, je crois que j'ai juste appuyé sur la touche Windows, dommage, on renonce à ça. Et donc là on était parti pour faire Aki l'élu avec une équipe de type humanoïde. Quand en nous baladant dans le coin par ici, on a vu un joueur magnifique. On avait vu un joueur niveau... Oh, il y a Alani là, j'ai vu. C'est niveau 24. Et donc on a vu aussi comment on pouvait monter dans cette baraque. Il y avait un escalier. Mais il y a aussi tout un tas de trucs, par exemple. Là, je trouve ça très joli, là, comme ça. Ici, il y a un sanctuaire creusé dans la montagne. Mais surtout, ce qui m'avait interrogé, c'était par ici. Donc il y avait un gars qui avait eu pour idée de venir pexer sur les trotteurs éternels ici, qui ont donc très peu de vie et très peu de puissance, donc ils sont complètement défoncés par les masques de type aérienne, et qui, je sais pas, il a du tac donjon, donc il s'est barré. Bon, toujours est-il que nous allons faire or, à la ligne on le revoit. Ah ben non, c'est un serpent de guerre. Bon. Tell me of your travels. I hope to see you again soon. Voilà, donc après avoir tant fait de la merde, c'est normal qu'on commence à faire quelque chose de sérieux. C'est dommage, j'ai perdu par mégarde la vidéo avec le gars niveau 24 qui se baladait. Je trouvais ça sympa. Prochain tour, lui, il meurt. Quand même 297 de puissance, ça a quand même 25 de dégâts de base, donc c'est pas mal du tout. Ow. Là, si jamais on ne meurt pas au prochain coup, c'est un miracle. Voilà. Maintenant on switch. C'est mon idée. Hein. On va voir si ça marche. Il est possible que non. Là je pense qu'il va refaire son attaque boost. On va encaisser avec le messager de la flamme et on va tuer le suivant par surprise avec une attaque qui lui fait tellement mal que ça va pas lancer son script de la survie et donc on va gagner un petit tour comme ça, voire même deux. Vous voyez, critique, aucune importance et lui. Ombrelle, je l'adore. Greeting. Pareil. Et donc, ça va être le dernier tour de Pandari pour moi, puisque c'est le 10e, donc il y a 10 équipes de famille. Et je dois avouer que c'est vraiment un coin qui est très beau. Que la Pandari. C'est vraiment chouette. Bon, évidemment, il y a une grosse partie corrompue. C'est pas moi. Mais je trouve ça absolument merveilleux. Sur ce, dans tous les cas, je vous laisse. Je vais me poser sur cette branche. Voilà. Je me demande ce que ça peut bien faire avec... Ah, non! Voilà. Sur cette prouesse, on se laisse. Et on se dit à la prochaine.